Ok. D'accord. Alors ça, c'est pas censé arriver, je suis désolé. Coucou les copinous. Bienvenue sur le grenier de l'étrange et bienvenue pour cette deuxième partie de Before Sunset. Alors rappelez-vous, à la fin de l'épisode précédent, on avait discuté un peu avec la grand-mère du village qui était un peu aigrie, on va dire. Et pendant ce temps-là, il y a notre petite Shiba, qui se serait aventurée dans la forêt. Voilà. Et donc on décide, juste avant le coucher du soleil, d'aller la chercher. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein, après les cauchemars qu'on a fait et tout, la forêt en pleine nuit. Oui, parce que d'ailleurs, dans le jeu, on nous dit, ouais, c'est juste avant le coucher du soleil. Ouais, alors c'est peut-être parce qu'on est en sous-bois qu'il fait plus sombre, mais pour moi, c'est un peu la nuit, là. Donc du coup, et aussi d'ailleurs, je voulais tester... Ah oui, c'est ça, parce qu'on a une mécanique de... On a une mécanique de... furtivité, apparemment. Qu'est-ce que c'est que cette balle, là? Ah non, c'est une... pomme ou c'est un fruit, je sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce qu'il y a plein d'autres jeux qui vont arriver sur la chaîne qui seront aussi bons que celui-là, voire même encore mieux, plus mieux quoi. Là, on continue. Je suis un peu anxieux là. Et là, d'ailleurs, j'avais vraiment hâte de continuer ce jeu parce que là, j'ai l'impression que les choses sérieuses commencent. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ouais, non, ok, on peut pas vraiment se cacher derrière les arbres, apparemment. Là, c'est une statue du dieu qu'on vénère dans le village. Ah oui, Lin Chen, c'est ça. C'est une statue de Lin Chen. Je ne savais pas qu'une si grande statue de Lin Chen était dans la partie la plus profonde de la forêt. Oh, suprême Lin Chen. Puisse le vénéré Lin Chen me guider et me protéger. Et me garder en sécurité. Je suis pour toujours loyal et je me soumets au suprême. Ok, donc ça c'est un peu la prière qu'on avait fait dans le premier épisode. Oh, attends, je devrais offrir quelque chose à ce Lin Chen. Mais attends, on dirait qu'il y a un des porte-bonheurs qui manque. Ah, c'est celui qu'on a trouvé par terre. Qu'on a trouvé par terre dans le village après la cérémonie. Mais qu'est-ce que ça ferait là? Enfin, pourquoi il s'est retrouvé dans le village, en fait, dans ce cas-là? Je devrais faire un rituel en bonne et due forme, et ensuite prier pour ma protection. Ok, d'accord. Donc, j'imagine qu'il faut regarder dans notre inventaire, c'est ça, je pense. Parce que, rappelez-vous, on a un inventaire, hein, on s'en est pas servi des masses, pour l'instant. Oui, d'accord. Ah non, peut-être pas en fait. Non, ok, alors là il fait sombre tout d'un coup. Non mais là, attendez, c'est la nuit, hein. C'est pas avant le coucher du soleil. Je vais continuer du coup. Peut-être grosse erreur, ça se trouve, il y a un moyen de prier Lin Chen un peu mieux. Il y a des lanternes dans la forêt, ça c'est un peu chelou, j'ai jamais vu ça. Hein. Il fait de plus en plus nuit, j'ai peur. Ok. Ah, ok, d'accord, ok. Une orange sanguine. Bien mûre. Ok, on va pouvoir aller faire notre rituel de protection. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ça me rappelle d'ailleurs une randonnée que j'ai faite il y a genre quelques jours. Je vais vous en reparler un peu après. Alors, voilà. On va pouvoir faire le rituel. Oui, bonjour. Ah oui, attendez, il faut faire un truc, non? C'est ça? Ma main m'a fait vraiment peur, en fait. Mes mains me font peur. On dirait des mains un peu... Ok. D'accord. Alors ça, c'est pas censé arriver, je suis désolé. Oh, bordel, une statue hantée. Je peux pas bouger. Non! Oh, oh bordel. Oh, il y a le... Attendez. Ah, faut se cacher, j'aurais dû me cacher derrière la statue. Ah, oh, c'est trop tard maintenant, je crois. C'est vrai que j'ai une lampe aussi. Enfin, j'ai une lanterne. Est-ce qu'il vient? Il arrive de la droite, c'est ce qui me semblait.
Vite. Alors, ce dont je déteste, ce que je déteste, c'est que pour ranger la lampe, par contre, on va se cacher derrière la statue. Ce que je déteste, c'est que, ouais, yes. Alors du coup, je sais pas si je dois maintenir la touche enfoncée. Je, peut-être pas. Non, je pense que c'est bon. On est derrière la statue. D'ailleurs, il s'est téléporté. On est d'accord. Il est dégueulasse. C'est l'homme qu'on voyait dans nos rêves. C'est l'homme qu'on voyait dans nos rêves. Alors, est-ce qu'on est toujours dans un rêve, ça se trouve, là? Peut-être, hein? Oh là là! Mais attendez, mais... Est-ce que le dieu Lin Chen, il est vraiment... si bénéfique que ça? Parce que pour avoir une réaction comme ça... C'est un peu chelou, quand même. Bon, on va continuer. J'espère qu'il s'est barré, lui. J'utilise un nouveau micro, d'ailleurs, au fait... Non, 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 non. Non, 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 non. Et j'ose pas ranger ma lampe parce que je sais que je vais m'arrêter de courir, du coup. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? Bonne question, Dan. C'était définitivement pas humain. Est-ce que quelque chose s'est mal passé avec le rituel? Ça peut pas être. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. Attendez, on s'est réfugié où? Au village, non? Non, je pense pas. J'ai aucune idée d'où on est, en fait, là. Une cabane dans la forêt, peut-être? C'est encore plus creepy que ce que je pensais, du coup. C'est verrouillé. J'ai entendu bruit à droite. Vous entendez? Attendez, on va regarder le journal. On va faire une petite pause. C'est pas que j'ai peur de progresser, mais bon... Un peu, quand même. Je ne l'ai jamais vraiment cru quand on m'a dit que la forêt était dangereuse. Et je croyais que c'était lié aux animaux sauvages. La forêt a toujours été tranquille. Mais j'ai décidé de croire ça à la place. Je pense que oui, des fois il y a des traductions qui sont un peu cheloues, mais cette chose n'était pas humaine. Je me suis juste concentré pour courir et m'échapper avec toute ma force. Et je ne sais pas comment j'ai fini dans cette maison. Donc on est bien dans une maison dans les bois, on n'est pas de retour dans le village. Ça a l'air très vieux et abandonné. Depuis combien de temps elle est ici? Quand je vous disais que les choses sérieuses allaient commencer, je me suis pas moqué de vous, hein. Je suis déjà... Ok... Je suis déjà dans l'ambiance. D'accord. T'as rien à dire là-dessus, Dan? Non? Non, tranquille, il y a un pendu dans une maison abandonnée dans les bois, mais ça va, quoi. On n'appelle pas la police, rien. On peut pas rentrer par là? Et on peut pas continuer, il va falloir faire un truc avec le pendu, c'est ça, j'imagine? Oh, regardez-moi, même ses pieds sont dégueulasses. Mais on dirait l'homme, en fait. Non? On dirait l'homme qui nous pourchassait. C'est verrouillé. Ah, faut peut-être la chaise, non, je sais pas. On n'a pas quelque chose dans notre inventaire. On a encore des oranges sanguines, donc on rencontrera peut-être une autre statue de Lin Chen, je sais pas. Oui, donc je disais d'ailleurs, j'espère que la qualité du micro vous plaît, c'est un nouveau micro. Vous pouvez pas le voir pour l'instant vu que j'ai pas la facecam, mais... Faut s'en aller, enfin, à la limite... Ah oui, non, c'est vrai, j'oubliais que les portes étaient particulièrement difficiles à ouvrir dans ce jeu. Vraiment, hein. Si on se place pas au bon endroit, elles s'ouvrent pas, en fait. Par là, est-ce qu'on peut y aller? Ok, ça m'arrange. Ça me stresse toujours un peu quand, dans un jeu, on peut explorer un peu trop... J'ai toujours l'impression de manquer quelque chose. Mais là j'ai entendu des bruits chelous qui venaient de la gauche. On peut aller par là. On peut pas aller par là. On retourne dans la forêt donc. Est-ce une bonne idée? Après j'allais dire, est-ce qu'on devrait pas retourner au village? Mais d'un autre côté, je pense qu'on est un peu perdu. C'est ça le souci.
Ce jeu me donne des frissons. Tout en étant... Attendez, est-ce qu'on peut se cacher derrière un buisson? Juste pour prévoir, quoi. Oui, on peut se cacher. Et le problème, c'est qu'on a... Heureusement, en fait, qu'on a la... Qu'on a notre... J'ai entendu un bruit chelou, on aurait dit une fermeture éclair. Heureusement qu'on a notre lanterne, quand même. Je disais qu'elle éclairait pas grand-chose, mais là, il fait vraiment nuit de chez nuit, quoi. Alors, on peut aller là. On peut aller là aussi. Et on peut aller là. Alors là, par contre, ça ne me dit rien qui vaille par là. Avec les arbres morts là qui étendent leurs branches comme des doigts vers le ciel. Non. On va aller au milieu, hein. On va aller au milieu. Il y a juste le bruit des... Le bruit intermittent d'un hibou qu'on a comme seule compagnie. On peut aller par là et on peut pas aller par là. Ok, ben on continue. Mais du coup, est-ce qu'on pourra explorer les autres chemins ou... Oh ! Alors non, ce n'est pas une vraie petite fille. J'en suis quasiment sûr. Elle est un peu trop... Elle est un peu trop transparente, je sais pas comment dire. Ouais. Bonjour. Maison. Je veux rentrer à la maison. Où est-ce que tu es? Je n'aurais pas dû te lâcher la main. Je dois trouver... Je pense que ça doit être l'esprit des enfants. Oui, en fait, elle est vraiment transparente. En fait, oui, on passe à travers. C'est l'esprit des enfants du village qui ont été... qui ont été perdus, dont nous parlait justement la vieille à l'épisode précédent, et dont tout le monde a peur de parler dans le village, à part elle apparemment, qui est un peu gâteuse et qui lâche le morceau petit à petit. Et moi, ce qui me fume, c'est que Dan, il a rien à dire là-dessus. Bref, des enfants, des esprits, des enfants. Des esprits des enfants perdus, bon, pff, normal, la routine. Par contre, j'ai quand même envie de voir. Par là, il n'y a rien. Ok, par là, on peut y aller aussi. Oh, ça me stresse. Attendez. Je vais d'abord aller... Il y avait un espèce de mur, là. C'est bizarre, parce qu'on tombe sur une maison. On tombe aussi sur ce qui semble être une... Comme un village, non. En tout cas, il y a une structure là, et on peut aller par là aussi. Ça m'arrange pas tout ça, je vais pas vous mentir. Je vais regarder ce qu'il y a là au moins, et j'imagine qu'on pourra partir à gauche aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on est sur des espèces de remparts. J'ai entendu des pas. Vous avez entendu, non? Non, c'est peut-être tout simplement les miens, en fait. Mais non, mais vraiment, j'ai entendu des pas vers la gauche. Là, j'ai entendu un truc chelou. C'est un temple? C'est un temple? En pleine forêt? Comme ça? Bon, après, je pense que, oui, en Chine, doit y avoir des temples en pleine forêt, j'imagine. Ça doit être magnifique d'ailleurs, mais je sais pas si j'oserais y rentrer la nuit comme ça. Une main. Ok. Il y a plus dans ce temple qu'il n'y paraît. Je devrais fouiller un peu. C'est un temple dédié à Lin Chen apparemment. Et la main, avec des marques sur le poignet et des ongles très longs. C'est peut-être la main de une main de Sukuna, hein, pour ceux qui regardent Jujutsu Kaisen. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire dans notre petit journal? Plus je découvre de choses dans cette forêt, plus je me pose des questions. Personne ne m'a jamais parlé d'un temple. Et je me suis jamais dit qu'il y en aurait un dans cette forêt. Mais...
Sachant à quel point on croit au grand Lin Shen, ça a du sens qu'un temple lui soit dédié. Mais pourquoi est-il dans la forêt interdite? Bonne question. Est-ce que Lin Shen, ce serait, comme je disais, hein, est-ce que Lin Shen, ce serait vraiment un dieu bienveillant? Je commence à avoir un petit doute en fait. Après, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un dieu qui existe ou pas dans la culture chinoise. Un dieu, un être divin né de la forêt des oranges sanguines, le vénéré Lin Shen a béni ce petit village. Le premier humain à être entré en contact avec cet être a été connu en tant que le premier médium. Il a eu deux enfants, deux frères. Est-ce que le premier médium, ce serait pas cet homme qui nous poursuit? Justement. J'adore, on est vraiment dans l'ambiance là pour le coup. On dirait qu'un morceau a été cassé. Juste quelques gribouillis de mots peuvent être lus au début, qui n'ont aucun sens. Ok, donc j'imagine qu'il faudrait trouver l'autre partie. Et là, un hôtel pour Lin Shen, tout comme ceux au village. On peut aller par là. Et d'ailleurs, moi je dis ça, je dis rien, mais le temple il est peut-être dans la forêt profonde, abandonné et tout. Mais en tout cas, il y a des bougies qui brûlent, donc il y a quelqu'un qui l'entretient. Et j'entends des bruits pas cool venir de cette porte. Ah, il y a un livre là. L'exorcisme des gens lésés. Les humains influencés qui sont morts de manière horrible gardent souvent une énergie démoniaque. C'est leur cause d'être transformés dans des formes qui sont totalement différentes de celles qu'ils avaient lorsqu'ils vivaient. Certaines façons de différencier ces âmes corrompues sont, on ne sait pas, et ils doivent être détruits pour le bien-être de l'humanité. Ok. Je pense que le gars qui nous poursuit en est un. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Ah, on peut se cacher aussi dans les endroits sombres, pas seulement derrière les objets, donc. On peut toujours bouger pendant qu'on est en train de se cacher, mais rester immobile me rendra encore moins visible. Ce qui peut me sauver la vie. Nul doute, nul doute. Du coup, si je fais ça. Non? Non, non, ok, c'est pas là du coup. J'ai entendu des pas qui n'étaient pas les miens là, c'est sûr. Mais non, mais non, mais comment tu me dis que t'as pas le droit? Ok, bon, on repart pas trop loin, heureusement. Par contre, attendez, faut que je trouve un endroit pour me cacher du coup, parce que là, il m'a fait un coup de jarnac, comme on dit. Je sais pas d'où vient cette expression, mais. Ok, donc il s'en va. Je suis quasiment sûr qu'il est lié à cet endroit. Est-ce qu'il revient ou pas? Ouais, il revient. Bon, on va voir si là il peut. Parce que j'ai l'impression que c'était un bug. Parce que là, on est clairement dans le noir. Hein. S'il peut nous voir, j'ai un petit doute, quoi. Ok, c'est bien lui. Vous avez vu, c'est bien lui qui allume les bougies ici. Alors en fait, quand il se met à courir, c'est qu'il nous a vus. Alors, un globe oculaire. On dirait qu'il a pourri après de longues années, mais il n'y a pas d'odeur. Bah écoute, merci pour les détails. Ok, la même chose. Je pensais que ce serait des trucs qu'on pourrait récupérer. Alors là, on s'est fait repérer clairement. Vite, 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 on se casse. Ok, je crois qu'il nous a laissé tranquille. Je m'éloigne de la porte quand même. Ouh, le stress. Bon. Comment on va faire pour le passer? Oh putain! Ok.
Donc c'est bon à savoir quand il nous repère, logiquement il est de l'autre côté, je pense. C'est un peu compliqué parce qu'en fait s'il nous court après. Parce que... Ok. C'était juste, mais bon, on lui a échappé. J'ai pas envie de retourner par là, par contre. Et le dernier objet, par contre, j'ai pas vu ce que c'était. J'imagine ça devait être un globe oculaire encore. Le stress. Non, d'accord, ok. On revient par là. Attendez, ça n'a pas de sens. Attendez. J'ai envie de voir quand même. Ah, il y a une bougie qui est pas allumée là. Il y a une échelle là, non? On est d'accord? Attendez, c'est lui à droite? Oui, c'est lui à droite en effet. Vous avez pas repéré. Regardez, il y a une bougie qui est pas allumée là. On pourrait pas faire un truc avec? Non, il y en a même deux d'ailleurs. Bon, l'autre est un peu trop haute. Il est à droite, on va continuer. On va juste regarder ce que c'est. Je suis sûr que parmi tout ça, doit y avoir genre un globe oculaire qui est pas pourri ou alors peut-être qu'il y a une odeur et qu'il faut récupérer, non? Vous croyez pas? Donc on part par là, logiquement on devrait arriver ailleurs. C'est ça, on arrive ailleurs. Alors, bon, un peu stressant tout ça. Quand les êtres humains meurent, seule l'âme reste. Bien qu'elles sont d'habitude inoffensives, une âme qui a été influencée par une énergie démoniaque, lorsqu'elle était toujours vivante, sont susceptibles d'être corrompues. Les premières étapes de l'influence sont légères et ne sont pas inquiétantes. Quelques symptômes peuvent inclure entendre des voix. Ah, bah c'est pour ça que je me disais aussi, j'entendais des voix des fois. Non, je rigole. Je rigole. N'ayez pas peur, restez. Abonnez-vous. Ah, on pouvait. Attendez, c'est un autre hôtel là? C'est la même main en tout cas. Enfin, c'est une main, du coup, c'est une main droite. Mais par contre. Ok, non. On est revenu au point de départ. J'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait partir à gauche à la base. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut s'en aller, s'il vous plaît? Non? Non, on peut pas, on n'a pas le droit, ok. Je suis sûr que ça doit avoir un lien. On l'a lu ce livre-là? Ok, d'accord, c'est l'exorcisme des âmes corrompues. Il est à gauche. Ce qui me gêne, c'est que. Ce qui me gêne, c'est que le dernier objet, on n'a pas pu le voir. Bon, attendez. On va peut-être avoir l'occasion de le faire. Comment il court, c'est tellement creepy. Bon, au moins d'ailleurs, on sait que quand il court, c'est qu'il nous a repérés. Ça, c'est déjà ça. Voilà, je voulais juste regarder ça. Yes! C'est ça. Un bracelet de jade qui a été porté par le médium. Alors maintenant, faut s'en aller. Oh, c'était chaud. Donc du coup, on va. On peut aller par là? Cours, 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 cours. Dommage, on peut pas courir à moins qu'il nous ait repéré. Ça, c'est vraiment dommage. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est sorti du bois sans mauvais jeu de mots. Parce que non, on n'est pas sorti du bois en fait. Et je pense qu'il faut tout simplement le mettre sur la main. Alors, hop. Ah bah oui, en plus il y avait la marque du bracelet. Attendez, faut cliquer dessus peut-être. Voilà. Très mauvaise idée, je pense. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais bon. Ok, ça suffit pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y a pas une trace de bague. Donc à la limite, je dirais faut rajouter des bagues aux doigts. Mais non. Je me demande si ce genre de relique existe vraiment, en vrai. Vous savez, genre des. Bah, ça, par exemple, des mains ou des membres de personnes divines. Après, oui, je crois que oui, en fait.
Oui, si, je crois, je pense que si, parce que je pense à Jujutsu Kaisen en même temps, vous savez, avec les reliques, là. Mais doit y avoir forcément quelque chose d'autre à prendre. C'est forcé, c'est forcé. Là, c'est un globe oculaire encore. Parce que là, on a pris le dernier truc. On a pris le dernier truc, doit y avoir... De l'autre côté, je pense, doit y avoir un autre truc aussi. Je pense que ça doit être ça, ouais. Sinon, ça aurait pas de sens de nous faire passer par là. Bon. Prendre, ce serait quoi? Je vois pas trop qu'est-ce qui manque. Je m'aperçois qu'en fait, on passe de l'autre côté, c'est la même pièce. Parce que j'ai reconnu la bougie qui était à la gauche. Et là, la bougie éteinte est à droite. Ok, d'accord. J'imagine que ça va être le dernier. Il me semblait que j'avais regardé pourtant, mais bon. Ah, non. Je vais dire, ah voilà, mais non, raté. Non, donc c'est pas ça. On peut aller par là? Ah, bah oui, je suis bête. D'après le livre de l'exorcisme, il y a des préparations à faire avant le rituel. Oui, je suis bête. Pff, on a des oranges sanguines encore sur nous, donc. Ok, on a déposé une orange sanguine pourrie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Excuse-moi, Linchen, mais bon, j'ai que ça. Il me manque toujours quelque chose pour le rituel. Je devrais regarder dans le livre sur l'exorcisme. Ah. J'espère que d'ailleurs que ça va exorciser ce gars-là, ce gâteau dégueulasse. C'est ça, voilà. La bougie du rituel. Une bougie qui a l'air différente des bougies ordinaires. Entouré d'un porte-bonheur en papier qui sur lequel est écrit des mots illisibles. Ok, donc on a tout, je pense. Maintenant, faut s'en aller de là. Mais est-ce qu'il va nous laisser faire? Telle est la question. J'aurais peut-être pas dû passer par là en fait, si. Je sais pas. Faut que je retourne sur mes pas. Cours, cours, cours. Oh, c'est tellement stressant de pas pouvoir courir jusqu'à ce qu'il nous repère. Heureusement d'ailleurs qu'il peut pas changer de pièce. Hein. Ok, bon. Du coup, on va mettre la bougie devant. Sur la main, peut-être? Non, je pense pas. Ouais, plutôt. Non, je crois qu'il y avait de la place à côté de l'orange. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Il me manque toujours quelque chose. Ah bon? Mais ça nous dit, je devrais regarder le. Le livre sur l'exorcisme, mais en fait, on n'en a pas. Ah, ok, j'avais pas vu. On peut lire plusieurs parties des parchemins. Et sûrement, d'ailleurs, c'est la même chose pour les bouquins. Bon, attendez, je vais vérifier un truc. Ok, c'est pas forcément évident, hein. Ok, à chaque fois, on peut tourner les pages, donc. Alors, ça c'est le livre sur les influences démoniaques. Le démon est capable de canaliser son énergie à travers les âmes corrompues, avec le but de, on ne sait pas, dans une, ouais, dans le but de d'échapper leur dimension. Ce qui est ensuite amplifié à travers un rituel masqué. L'esprit des influencés commence à être corrompu en entrant en contact avec certains objets enchantés par le démon, je pense. Alors que les étapes de corruption progressent, l'esprit de l'influencé va devenir de plus en plus dangereux. L'humanité présente dans les influencés va être réduite petit à petit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Les humains qui sont morts des mains des influencés seront aussi corrompus. Ce qui va les transformer en âmes corrompues qui cherchent la rédemption. Ok, bon, c'est un peu compliqué tout ça. Alors bon, sacrifice, le parent le plus proche en relation avec eux va pourrir petit à petit alors que leur corps deviennent de moins en moins fonctionnels avant de mourir. Attendez, mais je me demande si notre maman, hein, c'est pas ce qu'elle a. Parce que elle a un problème avec ses yeux et je pense pas que le jeu
et mis ça par hasard comme ça, genre, bah oui, elle a un problème avec ses yeux, voilà, faut qu'elle aille voir le médecin. Je pense que c'est ça. Ça voudrait dire que, bah peut-être nous, justement, parce que un des symptômes qu'on a été corrompu, c'est d'entendre des voix, mais nous, on fait des cauchemars prémonitoires. Donc c'est peut-être aussi un, c'est peut-être un signe, non? Alors, avant que l'humain influencé ne devienne totalement corrompu, tout ça peut être stoppé à travers le sacrifice de... On ne sait pas. Alors, le reste du bouquin est plein d'explications sur les humains influencés et les méthodes pour les repérer et les arrêter. Ça n'a pas l'air d'être très utile dans ma situation pour le moment. Oui, en effet. Alors attendez, du coup, on va lire l'autre bouquin. On va lire les autres parchemins aussi. Parce que du coup, ça devrait nous dire ce qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour le rituel. Ah, ok. Donc là, ça nous parle du médium qui a eu deux enfants. Le plus vieux pouvait entendre les voix de l'être et a pris le rôle du médium. Le plus jeune frère, d'un autre côté, n'a pas été choisi. Et est resté au village. Et on lui a donné le rôle de leader. Le leader actuel, d'ailleurs, c'est notre oncle, je crois, l'oncle Dan. Non, bah non, c'est nous, Dan. C'est l'oncle Chêne, je sais plus. Ils ont travaillé ensemble pour permettre au village de grandir, même sans aucune aide de l'extérieur. Ok, c'est pour ça donc. C'est pour ça que notre village. Arrive à se débrouiller par lui-même. Leurs enfants ont ensuite grandi pour prendre leur place. En échange de protection et de bénédiction, Lin Shen demande simplement des oranges sanguines, des prières et d'être vénéré. Vraiment un être magnifique, digne d'être vénéré. Après, c'est vrai que c'est généreux, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? Je vous le demande. Alors du coup, là c'est le parchemin qui avait été cassé, mais apparemment on peut lire la suite. Alors, renaître en tant que bébé dans ce monde à travers l'abdomen d'une mère humaine. Avec chaque sacrifice, son pouvoir devient de plus en plus fort, alors qu'il se matérialise petit à petit dans cette dimension. Il peut seulement être arrêté à travers des enchantements spécifiques avec... Ah, on va savoir. Trouver le... Trouver l'hôte est une méthode alternative pour stopper la matérialisation. Ah, l'usage de cordes est essentiel. L'usage de cordes. Il faut des cordes. Mais je me demande qui est l'hôte. Après, est-ce que l'hôte a déjà été choisi? C'est forcément du coup une femme du village. Est-ce qu'il y aurait une femme qui est enceinte qu'on aurait croisée? Non, je crois pas. Hein. Bon, il nous faut des cordes. Est-ce que vous avez trouvé des cordes? Alors là, par contre, oui, c'est peut-être ce livre-là qui va nous intéresser. Ça nous parle de l'exorcisme, que les âmes corrompues doivent être éliminées pour le bien de l'humanité. Et à travers différentes recherches et expérimentations, quelques résultats peuvent être obtenus. Alors, le rituel suivant a été conclu comme étant le plus efficace. Alors, le placement ou l'ordre dans lesquels les objets sont délivrés ne sont pas importants, pour autant qu'ils soient sur la même plateforme et au même endroit que l'âme corrompue en question. Ok, donc va falloir, j'imagine qu'il va falloir qu'on l'attire à un moment donné par là. L'énergie démoniaque doit être retournée vers l'être. Alors chaque surface plane, avec la présence de Lin Shen, peut être transformée en autel. Les bougies sont une source de lumière pour la guidance. Cela dit, seules les bougies de rituel qui sont enchantées et sont enroulées de porte-bonheur pourront illuminer le chemin vers l'autre dimension. Ok, ça c'est fait. En tant que source, les oranges sanguines
doivent être ouvertes en révélant l'intérieur du fruit pour permettre la vulnérabilité et une ouverture pour purger l'énergie démoniaque. Le plus important est un objet personnel de l'âme corrompue. Avoir le mauvais objet causera le rituel de n'avoir aucun effet. Un objet lié à leur transformation en âme corrompue est essentiel. Ok, un objet qui est vraiment profondément lié au regret. Pour trouver le regret de l'âme corrompue, une enquête approfondie est nécessaire, je pense. Ça nous dit pas qu'est-ce qu'il nous faut d'autre. Est-ce qu'il faudrait pas le bracelet, du coup? Parce que c'est vrai que le bracelet, du coup, on l'a mis sur la main. Est-ce qu'on peut le reprendre? Non. Ah! Ah, ça me fait vraiment penser à Jujutsu Kaisen, je suis désolé. Ok. Donc alors, premier truc, c'est ça, je pense, non? Et ensuite, on peut plus. Ok. On dirait qu'on fait des signes de gang, en fait, avec les doigts de... les doigts de, je sais pas, de Lin Chen, peut-être. Ok, alors ensuite... J'imagine que... Non. Ah, et puis le bruit que ça fait, c'est tellement dégueulasse. Ok, on doit garder en fait à chaque fois un doigt plié. Et du coup, on va faire ça peut-être. Non. Impeccable. Enfin, impeccable, je sais pas. Je suis pas très sûr. C'est un masque qui nous apparaît. Un masque de Lin Chen, mais qui se fend la gueule. C'est un petit plaisantin. Hein. Alors, un masque que le médium porte pour communiquer avec l'autre côté. Une tristesse insoutenable émane du masque lorsqu'on le touche. Ok. Bon. J'imagine que du coup, tristesse égale regret, et regret égale bon objet pour faire le rituel. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va lire le journal déjà. C'est pas le bon moment, mais bon. Alors, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin? Ok. Bon, apparemment, c'était pas le bon moment pour lire le journal. Ouf. Ma tête, ça fait mal, on dirait que ma tête est coupée en deux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On est de retour dans la forêt? J'aime bien l'illustration d'ailleurs là. Il y a très très longtemps, un être est apparu dans la forêt des oranges sanguines. Et un vieux fermier était dans la forêt pour collecter du bois de chauffage. Et il a découvert cet être. Il lui a tendu la main, apparemment. Étant le premier à rentrer en contact avec cet être, il est devenu le porte-parole du village auprès de cet être. Avec le temps, il a fini par découvrir l'identité de cet être et il a eu à prendre une grande décision. Ah, est-ce que... Oui, donc du coup, justement... Est-ce que ce serait pas Est-ce que ce serait vraiment un dieu bénéfique, si vous voyez ce que je veux dire? Il a été connu en tant que médium du village. Le village qui allait devenir bientôt le village des oranges sanguines. Ça sonne moins bien en français. Hein. La famille du médium et ses enfants ont aussi été bénis et continuent ce rôle de médium. Ce serait qui, du coup? Ce serait nous? Enfin, vous me direz, là, j'ai l'impression que c'est une grande famille. Hein. Tout le monde qu'on rencontre, grosso modo, c'est soit nos cousins, soit nos tantes, soit nos oncles. Et ensuite, je suis né. J'ai hérité de ce rôle. En tant qu'élu, qui connaît la vérité,
que personne d'autre ne doit connaître. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? C'était ma seule raison de vivre. La famille que j'avais dans ce village, tout ça, c'était qu'ils puissent me porter vers le futur. Ou non, plutôt me remplacer, je pense, dans le futur. Pour chaque rituel que je tiens, je mets ce masque. Ça n'a jamais été moi, mon identité, liée à cet être. Je suis le médium, celui qui parle pour le hautement vénéré Lin Shen. Des yeux rouges comme une orange sanguine. Comme chacun le croyait, j'apportais les bénédictions de leur dieu. Ah, c'était peut-être pas vraiment ça alors, c'est ça? Des grandes récoltes, de la santé, des enfants en abondance. Tout le monde qui m'approchait était béni. Sauf pour une personne. C'est quoi ça? J'étais un échec. J'avais failli à ma mission. Mes ancêtres, mes parents qui croyaient en moi, ma femme, mon enfant. Mes enfants plutôt. Ah, c'est lui! Oui, parce que je reconnais ses oreilles en fait, toutes dégueulasses, le gars qui nous poursuit. Je suis désolé. Tout est terminé avec moi. Tout s'est terminé avec moi. Ce serait... Donc en fait, je pense que le gars qui nous poursuit, ce serait le dernier descendant de la famille du médium. Dan? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de points d'interrogation? C'est notre maman, ça? Ah, Dan, rappelle-toi de revenir tôt à la maison, ok? Ah, je sais! Regardez le gars à gauche. Logiquement, c'est notre papa. Mais je pense qu'en fait, c'est le gars. Parce que notre papa, depuis le début, on nous dit, ouais, alors depuis qu'il est parti, c'est difficile et tout, mais il est parti où? Il est parti chercher le lait, c'est ça? Il est parti acheter des clopes? Maman et papa, amuse-toi bien. Enfin, ça se trouve, j'ai totalement faux, hein. Mu. Ah, Dan, par là. Oui, donc là, c'est Mu, c'est notre ami d'enfance. Mu. Quand est-ce que c'était? Ah oui, donc on se rappelle toute notre vie déroule devant nos yeux, je pense. Et on est de retour au moment présent. Avec quoi? C'est quoi ça? Ouf, qu'est-ce que c'était que ça? J'ai suivi le rituel et soudainement... Est-ce que je viens d'être témoin du passé de cette créature? Oui, non, mais non, c'était notre passé à nous. Ah bah non, juste avant du coup. Juste avant c'était ça. Et ensuite c'est passé à nous, je sais pas pourquoi, donc on a un lien forcément. Le médium, je n'en avais jamais entendu parler. Ému quand nous étions plus jeunes. Un souvenir dont je ne me rappelle pas. Il y avait aussi maman et papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien la créature, on est d'accord. Qui s'est totalement... Qui s'est totalement... Ouais. Désintégré. Ok, bon, ça, il n'y a rien de nouveau. On va peut-être essayer de sortir. Et aussi de sortir de cette forêt, j'aimerais bien. Même si je pense que... Il y a encore les objets du rituel, là. Ok. Ok, on peut sortir. Ok, un temple qui a été créé pour vénérer le dieu dont nous avons toujours pensé qu'il nous protégeait. Mais est-ce qu'on est encore en sécurité? Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais ce démon devrait être parti maintenant. Mais je n'ai aucune idée d'où je suis. Peut-être que je devrais retourner sur mes pas, et ensuite je devrais pouvoir retourner à la maison.
Ok, bah écoute, on va allumer la lumière par contre, parce que même vous sur YouTube, je pense que vous devez avoir un peu du mal à voir, tout comme moi. Ça m'étonnerait que qu'on puisse quitter la forêt comme ça, vous êtes d'accord, non? Je sais pas, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, oui, et notre chien en fait, parce qu'à la base, c'était pour ça, je viens d'y repenser. Notre petite Shiba là. Je vous avais demandé d'ailleurs de me donner un nom en commentaire, vous ne m'avez pas donné de nom en commentaire. Donc du coup, je vais continuer à l'appeler Rexona. Si on la revoit un jour, on peut partir par là. Ah non, ok, c'est tout simplement le chemin vers la forêt. Alors, je crois qu'on pouvait partir à droite, par contre. Ça semblerait peut-être être quelque chose de logique. Je sais pas. Non, j'ai l'impression que dans tous les cas, on retourne dans la forêt. Quoique. Bizarre, il n'y a nulle part. Ok, d'accord, cet endroit ne sert a priori à rien. Peut-être à échapper à quelque chose d'autre, je sais pas. Mais rappelez-vous, le médium a eu deux frères. Et est-ce que ce serait pas possible que du coup. Ah non, d'accord, on est obligé de passer par là. Est-ce que ce serait pas possible du coup qu'il y ait deux créatures qui nous poursuivaient comme ça? Parce que bizarrement, il avait l'air de se téléporter, donc ça serait logique pour moi. Pas aller par là, donc on va aller à gauche. L'ambiance de jeu, il n'y a pas beaucoup de musique, quand même pas du tout, c'est vraiment des sons d'ambiance. Mais c'est tellement bien fait. Logiquement, c'était là qu'il y avait la petite fille. D'ailleurs, ce serait quoi le lien avec les enfants disparus? Est-ce que ce serait en fait. Parce que dans les souvenirs d'un des descendants du médium, ça nous disait clairement que bah, on croyait que la divinité nous bénissait, lui il connaissait la vraie identité de la divinité, mais il y avait une vérité un peu plus sombre apparemment qui était cachée derrière tout ça. Et est-ce que la divinité ne demande pas des enfants justement? Voilà, que des enfants soient amenés dans la forêt pour assurer la protection du village. Je pense qu'on devrait peut-être partir par là, du coup, ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que c'est par là. C'est par là qu'on est arrivé. J'espère. Ou alors on s'enfonce encore plus profond dans la forêt. Alors ça, c'est pas normal. Ah, la fameuse maison. Est-ce qu'il faut repasser par cette maison avec le pendu? Vous allez voir, le pendu va plus être là, c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je me sens pas bien là. C'est sûr. Cette maison, elle est pas là pour rien de toute façon. Ah oui, d'ailleurs, le pendu était dans cette pièce à droite là. C'est ça, il est plus là. Il est parti. Et peut-être que cette pièce va être déverrouillée du coup? Non, toujours verrouillée, c'est étrange. C'est très très étrange. Ok, on peut sortir du coup. Enfin non, pas encore. On n'est pas sorti. Si, on est sorti. On est sorti pas du bois, mais on est sorti de la maison déjà. Ce jeu arrive à me stresser en fait. Je sais pas vous. Alors vous devez être en train de siroter un petit coca tout en regardant ma vidéo, donc ça va. Je pense que vous devez être bien, mais moi je suis pas trop bien. J'ai finalement trouvé le chemin pour rentrer chez moi. Je devrais me dépêcher à rentrer pour dire à maman que je vais bien. Elle doit être inquiète. Les restes du démon sont toujours dans le temple. Je devrais le dire aux villageois. Qu'est-ce que tout le monde va penser s'il savait que j'ai causé ça? Ouais, mais en même temps, est-ce que t'as vraiment causé ça, mon bon Dan? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé? Un bébé qui a été abandonné par ses parents. Ses cris tragiques peuvent être entendus à travers le bruit de la pluie. Ok, c'est encore une apparition. Enfin, c'est un. Ouais, c'est ça, c'est une apparition. Regardez, on passe à travers. Mais si c'est un enfant qui a été abandonné, je me demande vraiment si le.
si le fameux dieu là il réclamait pas en fait des sacrifices d'enfants. Ah, y a Mu qui est là. Attendez, on va regarder vite fait dans le puits. Ok, toujours rien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quoi? On peut pas lui parler comme si c'était un espèce de souvenir? Vous allez voir, je crois que le village. Ok, elle était cachée. J'allais dire, je crois que le village, il va plus être dans l'état dans lequel on l'a laissé, mais je sais pas. Psst, Dan! Mu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Tu as dit que tu reviendrais avant le coucher du soleil, mais j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'attendre. Et tu n'es jamais revenu, même quand il a fait nuit. Ok, calme-toi, Mu. Tout va bien maintenant. Regarde, je suis de retour. Même si tu ne serais pas vraiment calme si tu savais ce que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt. Non, non, tout va pas bien. Quelque chose ne va pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais là et je t'attendais. Et quand il a commencé à faire nuit, j'ai tout d'un coup entendu des cris qui venaient des maisons et des sons de portes qui claquent. Je suis allé vérifier et je. Quoi? J'ai vu des fantômes. Tu as. Quoi? Tu dois me croire, Dan. Tu étais dans la forêt alors tu n'as pas vu. Ouais, mais nous on a vu autre chose aussi. Je ne peux pas le croire non plus, mais je te crois, Mu. Tu me crois? Crois-moi, je te crois. J'ai probablement vu pire dans la forêt. Tout est de ma faute. Mais je sais comment régler tout ça. Ou plutôt, je vais le faire. En pratiquant un rituel d'exorcisme sur ma mère, peut-être, je sais pas, non. Vraiment? Comment? Ah non, ok. Je viens de le faire et je. Ah non, ok. Je viens de le faire et je suis sûr que je peux le refaire maintenant. En t'entendant dire ça, ça me rassure un peu. Mais Dan, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tout est de ta faute? C'est. Si seulement j'avais été plus dévoué et que j'avais pris ma foi en Lin Chen au sérieux. Ah, te voilà encore à tirer des conclusions hâtives. Le détective déchu classique. Comment est-ce que tout ça pourrait arriver à cause de toi? Le grand Lin Chen ne faillirait pas à nous protéger juste parce que un petit garçon ne croit pas en lui. Ah, merci Mu, tu es toujours. What? Quoi? Mu! J'étais en train de regarder à droite pour voir le journal et j'ai juste vu un bras qui saisissait Mu qui venait du puits, je crois. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, bordel. Alors, Mu a été attrapé par quelque chose dans le puits. Je dois la sauver. Je pensais que je m'étais débarrassé de ce démon, mais Mu a été attrapé et tiré dans le puits par quelque chose. Et d'après la main que j'ai vue, ça avait l'air énorme. Ça ne peut pas être la fin. J'ai pu me débarrasser de celui dans le temple. Je peux le faire aussi pour celui-ci aussi. Je dois la sauver. Ouais, parce que du coup. Parce que du coup, c'est bien ce que je pensais en fait. Ça doit être les deux enfants du médium. C'est ça, ils étaient deux. Bon, bah écoutez les copinous, je suis désolé de vous laisser comme ça, mais faut savoir, voilà, faut savoir distiller un peu de suspense. Je pense que c'est le bon moment pour se laisser justement. Prochain épisode, on va partir à la chasse aux monstres encore une fois pour sauver Mu. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Là, vraiment, les choses sérieuses ont clairement commencé, plus que ça même. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre et pour voir aussi la suite de ce jeu. Et d'autres vidéos qui vont arriver très très bientôt. Sur ce, je vous dis salut tout le monde. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi et à bientôt.